Bonjour à tous, nous allons suivre aujourd'hui le chemin victorieux de Gemini. C'est son troisième match. Bonjour Gemini. Voilà, bonjour à tous. Les deux victoires à votre palmarès. Une participation au mot de la fin sans sésame la dernière fois. Donc c'était sur la liste à thème sur laquelle vous avez joué. Ce qui explique peut-être le montant des gains, parce que vous avez trouvé tout de même pas mal de mots. Mais le montant total est de 700 euros. Tout va bien, Gemini? Oui, de mieux en mieux. Bon, un objectif pour vous, je vous le rappelle. C'est l'objectif dans un premier temps des 5 victoires. Mm-hmm. Chaque chose en son temps, on reparlera des 10 après. Vous y songez? Très bien. Déjà la troisième, après on verra. Déjà le match d'aujourd'hui. Ce troisième match, vous allez le jouer contre Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Contre ou avec? Voilà, je ne sais pas s'il y a de la diversité dans les matchs. Oui, il y a du match et du jeu, donc forcément, il y a un peu. Vous êtes considérée comme une adversaire. Vous venez d'où, Nathalie? De Bretagne. Réfléchissez bien. Morbihan. D'où je viens. Petite qui commune qui s'appelle Carreau. Carreau? Oui. Bon. Alors, vous tenez, vous, le centre culturel de Carreau, qui est au centre du village. Alors, en fait, qui s'appelle le café. C'est le café, mais c'est dans un autre bourg qui s'appelle Lisio. Pas c'est plus Lisio, grand. C'est Lisio. Bon, oui. Très bien. C'est une affaire de famille? Exactement. Grand-mère, maman, ouais. Et puis moi maintenant. Et puis vos filles qui vous... Mes filles m'ont aidé. Ma jeune m'a aidé cet été. Enfin, ma jeune qui a 21 ans. Mais ouais. Mon autre qui a 30 ans m'a aidé l'année précédente. C'est une affaire de femme? Oui. Oui, on y tient. Puis il y a une tradition. Non, puis c'est un vrai lieu de... Un vrai lieu de vie, quoi, pour, oui. pour un village. Lisio, combien d'habitants? Un peu plus de 700 habitants. C'est bien de maintenir cette activité. On est heureux de vous accueillir, Nathalie. Merci. Deuxième chance que nous vous offrons, c'est de passer par chez nous. Il n'y a pas longtemps, on a plein de choses à se raconter ensemble, même si on s'est vu depuis pas très longtemps. Un sésame pour commencer ce match. Vous rejoignez les buzzers, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe, Nathalie? On vous donne la définition du dictionnaire, à vous de trouver le mot correspondant. Voici cette définition. Retraite d'une bête sauvage. Ce mot commence par un T. Nathalie. Tanière. La tanière, oui. Bien vu, bravo. Retraite d'une bête sauvage, la tanière. Vous détenez ce sésame, Nathalie, bien vu. Je le disais il y a quelques instants, c'est le troisième match de Gemini. S'il atteint les 5 victoires, il y aura ce cadeau. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un week-end thalasso pour deux dans le sud de la France pour se détendre au bord de mer. Et c'est parti, voici la première manche. Une première manche avec le mot le plus long pour commencer. Et Nathalie qui va parler et choisir surtout le nombre de voyelles. 4 voyelles, s'il vous plaît. Oui. Tirage. S, O, fait bien. A, N, E, B, Q, E, C et T. Nathalie. 4, malheureusement. 4 seulement. Ouais. Gemini. 7. 7 avec quel mot? Bécane. Des bécanes, oui. Un autre mot? Non. Et vous avez eu une absence peut-être? Ah oui, c'était possible. Des béances aussi, le bas-côté. On avait même à 8 lettres, acétone au pluriel. C'est formidable la façon dont vous mettez du lien entre les mots comme ça qui sortent sur les tirages. Bécane, c'était la proposition de Gemini. Ça vous rapporte 7 points, Gemini. On y va, coup de chiffre. 6, 6, 3, 50, 1 et 10 pour faire 480. Thank you.
Nathalie. Le compte est bon. Ouais. Et vous, Gemini? Le compte est bon. Allez-y, Nathalie. Donc, j'ai fait 50 moins 3, 47. 47 plus 1, 48. Que je multiplie par 10, qui donne 480. Ouais. Oui. Mmh. Bravo. Très bien. Même calcul, même résultat du côté de. Méthode différente. Méthode différente. Bon. Donc, pas le même calcul. Les 10 points pour Gemini, puis pour Nathalie. Regardez le score actuellement. 17 à 10. Gemini mène. C'est le tout début de cette partie. Les lettres à venir avec Gemini. Qui choisit? 4 voyelles, s'il vous plaît. Oui. L, C, O, V, E, U, U, X, S et B. Gemini 5. 5 pour vous, Nathalie. De même. Le 5 lettres de Gemini. Lover. Oui, lover. Et ouais. Vœux. Et faire des vœux. Mais alors, voulu. 5 lettres seulement, il y avait mieux. On avait même à 8 lettres, ils ont peut-être été bousculés. On avait bousculé en 8 lettres. Ouais, et puis entre les deux, il y avait quoi? Il y avait boucles. Des boucles. Des boucles. Voulu. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ah, vous êtes passé à côté, là? Oui. Tout à fait. Hein? J'ai des solices. C'est ça, ça va être l'explication. Les points, même nombre de points en tout cas, et donc toujours le même écart entre Nathalie et Gemini. Un coup de chiffre maintenant. 9, 6, 9, 5, 8 et 3. Pour faire 715. Gemini, votre résultat 716. Il est approchant un près. Nathalie Non, 710. C'est plus loin. Allez-y, Gemini. Alors, j'ai fait 9 x 9, 81. 6 plus 3, 9. 81 x 9, 729. Moins 5, 724. 724 moins 8, 716. Voilà. Ouais. C'est bien. Stéphane. Et ça ne vous rapportera que 7 points. Il fallait penser à l'une des divisibilités. Alors, 8 x 6, 48. 48 x 3, 144. 9 divisé par 9, 1. 144 moins 1, 143. Et 143 x 5, 715. Ouais, divisibilité par 5, ouais. Effectivement, ouais. Bon, voilà. Vous êtes passé à côté, mais vous n'étiez pas très loin, Gemini. Plus près, en tout cas, que Nathalie. Ce sera donc un tarif à 7 points, comme l'a dit Stéphane. Score 29 à 15 actuellement. Les lettres à présent. Nathalie. On va rester sur 4, voyelles, oui. S'il vous plaît. On y va, voici le tirage. E, A, R, P, V, T, T, E, Z et I. Nathalie 6. Du côté de Gemini, combien? 6 aussi. 6 aussi. Nathalie en 6. Alors, j'ai parité. Ouais. Ça marche. Pas de problème. Votre mot, vous, Gemini? Parti. Parti, oui, partie, au féminin. C'est ça? Oui. Oui. Au féminin. Ça marche aussi. Bon, quel dommage, on avait pas mal de cette lettre quand même. Hein. Variété, le trapèze, averti, traité. Ouais. Voilà. Il passe à côté de, oui, de pas mal de choses. Hein.
Non, mais je vais... Vous faites gronder. Non, mais c'est vrai. Bah oui, non, non, c'est démotivé un petit peu. Non, mais oui. C'est vrai que. Non, mais des mots voilà. Largement à leur portée. Oui. C'est ça, oui, parce que averti, voilà, raté, ça, ouais. Ça passe. Hein. Donc vous devriez le trouver, vous devez le trouver habituellement, je pense. Bon, ça joue un petit cran en dessous. Il y a toujours la même différence au compteur et toujours de l'avance pour Gemini dans cette manche. Voici les chiffres. 3, 25, 8, 2, 6 et 1 pour faire 779. Vous avez eu le temps de terminer, Nathalie ? Oui, mais pas le bon compte. Vous êtes à combien ? 752. 752, du côté de Gemini ? 778. Allez-y, c'est un prêt. Alors, je fais 6 moins 2, 4. 8 fois 4, 32. 32 moins 1, 31. 31 multiplié par 25, 775. Et 775 plus 3, 778. Ouais. Et là encore, la prochaine ne vous rapportera que 7 points. Allez, une nouvelle démonstration de Stéphane. Là encore, une nouvelle divisibilité. Non, il compte bien, mais il parle assez mal. D'ailleurs, je vais effacer. Alors, 3 plus 2, 5. 5 fois 8, 40. 40 plus 1, 41. 25 moins 6, 19. Et le fameux 41 par 19. C'est ça, oui. C'est notre point faible. C'est la table des 19. Bravo Stéphane. Les 7 points avec le compte approchant, c'est donc pour Gemini qui prend maintenant un petit peu plus d'avance. Gemini, combien de voyelles, s'il vous plaît ? 5. Tirage. D-E-T-I-T-I-N-T-E-E-A. Nathalie ? Oui. Okay. J'ai chaud. Ouais. Gemini, combien de lettres ? 8 lettres. Et vous ? De même. Ouais. Alors, le 8 de Gemini, d'abord. Atteinte. Oui. Ouais. Et Nathalie ? Éditante. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Nathalie ? Il y a eu une confusion entre, je ne sais pas, éditante, étudiante. Éditante. Éditante, non. Édité ? Donc, oui, ah ben, ouais, oui mais... un peu moins. Éditeur, éditrice, mais éditant, éditante. Ça n'existe non, pas. Non, non, non mais j'ai. Participe présent, du coup, est décliné en adjectif. Ah oui, dans vos dictionnaires. Ah, oui. C'était ma logique. Oui. Ah oui, non, dans mais là, c'est. C'est ça, oui. Non, c'est refusé. Oui, oui, bien sûr. Bon, bien sûr. Oui, oui. Non, non, mais je. Dans le petit Nathalie, ça passe, mais. J'ai essayé de faire passer le message à Nathalie, voilà. Donc, on va retenir la proposition de Gemini. Il va marquer seul les points. Un peu plus d'avance pour vous maintenant. Je ne vous demande pas des nouvelles des poules. Je sais, vous aviez un poulailler. Elles sont moins nombreuses, c'est ça, en ce moment ? En effet, il n'y en a plus aucune. Ah ouais ? Non, je pensais qu'il en restait deux, quand même. Oui, de la nouvelle... Enfin, pas couvée, mais deux nouvelles, mais pas de la même... C'est le renard pas qui est passé par là, la ouais. Queen ? Le renard, pas la belette, ouais. Ni le loup. C'est ça. Et les moutons, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas défendu les poules. Non, ils ne sont pas dans le même... Ils sont complets, vous les avez comptés, les moutons. Ah oui. Ah oui, c'est toujours important de compter les moutons. Tiens, justement, vous allez compter, peut-être pas des moutons, mais un compte, le voici, c'est un tirage de chiffres. 7, 4, 8, 10, 100 et 4 pour faire 543. Thank you.
Gemini. Rien du tout. Il n'y a rien ? Non. Nathalie. 552. Ouais, allez-y. Donc 8 fois 7, 56. 56 par 10, 560. Je retire 4 et à nouveau 4 qui donne 552. Marqué 10 points, je ne vais pas le jurer tout de suite. Le jurer, je vous confirme. Hein, je ne vais pas prendre le risque. Stéphane, alors, il était astucieux. 100 divisé par 4, 25. 8 plus 4, 12. 12 plus 10, 22. 25 fois 22, 550. Et ça tombe bien, il nous reste le 7. On enlève 543. Il nous en a filé 3 quand même aujourd'hui, hein, qui était pas mal. Hein. Ah, il est fort en chiffres. Ouais. Il va être fatigué. Profitez-en, ça ne va peut-être pas durer. Il faut lever le pied. Bon, ce sera un tarif à 7 points. Mais l'important, c'est de les inscrire seuls, Nathalie, c'est 7 points. C'est le cas, vous le voyez. Vous êtes à 28, 50 points du côté de Gemini. Reste de coups encore à jouer. Nathalie va donc choisir maintenant. 5 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. U, E, E, V, S, I, E, N, P et X. Oui, Nathalie. Ouais. C'est moi qu'on puisse dire. Combien ? Dites-le-moi dans l'oreille. Combien ? 4. Combien, Gemini ? 7. Oui, avec quel mot ? Pensive. Et un mot supplémentaire ? Non. 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 Ah, on en est pas mal. Hein. Épieuse, épuisée, expiée ou puinée, vous savez. Cadette. Enfin. Mm-hmm. Veineuse, on regarde donc les sélettes. On a même jusqu'à 8 lettres aussi, hein, épineuse, envieuse. Envieuse, ouais, voilà. Très bien. Bon, vous êtes passée à côté, Nathalie, sur ce coup de lettres, tout petit tirage, mot en tout cas que vous avez trouvé. Les points pour Gemini et un dernier coup de chiffre, s'il vous plaît, maintenant. 3, 5, 8, 75, 100 et 50 pour faire 408. Nathalie. Le compte n'est pas bon, 427. Gemini. Le compte est bon. Allez-y. Alors, 50 fois 8, 400. 5 plus 3, 8. Et 400 plus 8, 408. Ouais. Comment dire ? Oui, il est à ma portée. Alors, sauf si vous avez décidé de jouer une nouvelle formule qui s'appelle le compte n'est pas bon. Le compte. Le compte n'est pas bon. Voilà. Les points, c'est pour Gemini avec ce 408 que vous venez, 408 que vous venez de trouver. 10 points supplémentaires. Fin de cette première manche. 67 à 28. Ouais. Oui. Oui. Sur le papier, ça le fait. Ouais. Ah, on est d'accord. Vous allez maintenant vous affronter. Voici les duels. Au buzzer, Nathalie, s'il vous plaît, main dessus pour répondre, parce que tout cela peut aller vite, parfois. Une première proposition, vous vous affrontez sur un 3 pour 1, et c'est Stéphane qui s'en charge. Oui, Inès Malaplate de Montreuil qui vous demande de trouver une avenue célèbre. Du sud, hein. Et ça commence par un C. Oui, Nathalie. Canebière. Mais oui. Ouais, la Canebière. Bravo, Nathalie. La Canebière, évidemment, avenue célèbre de Marseille, du centre de Marseille, dans le premier arrondissement. L'artère qui a vu le jour en 1666 sous l'impulsion de Louis XIV, qui avait ordonné à l'époque l'agrandissement de la cité phocéenne. Elle relie le vieux port à l'église des réformés. Alors, c'est, on peut le dire, en quelque sorte, les Champs-Élysées marseillais.
Non, j'en connais un qui ne va pas être d'accord. Mais non, c'est... En fait, vous avez une véritable pression parce que avec un producteur un peu marseillais, là, c'est. Mais alors, c'est. Ah, j'ai l'oreillette qui chauffe actuellement. C'est au millimètre, voilà. Poursuivez. Ça vient du provençal canebé, qui lui-même vient du latin cannabis. Et oui, qui signifie chanvre, car Marseille était une place forte du chanvre avant de devenir aujourd'hui une place forte du foot. D'accord. Non, mais vous demandez ça à nous. Je sais pas, on aurait pu dire la pétanque, par exemple. Oh non, oui, mais quand même, le foot aussi. Avant. Voilà, aussi. Allez, je vous l'accorde. Et ça va, vous avez eu peur de donner vos explications valables sur la canebière. Non, non, pas du tout. Très bien. C'est Nathalie qui a donné la bonne réponse sur ce premier duel. Bravo, 10 points pour vous, Nathalie. Vous remontez, vous êtes à 38 pour le moment. Un deuxième duel, c'est un duel d'orthographe. Blandine, s'il vous plaît. Alors, c'est Guy-Anne Lambert de Joliette au Québec qui vous demande d'épeler le mot suivant, légionellose. Oui, allez-y. L-E-G-I-O-N-E-L-L-O-S-E. Bravo. Très bien, ouais. Efficace. Peut-être la difficulté, on aurait pu hésiter avec un N, deux N. Donc, c'était bien, bien placé, bravo. Bon, une maladie d'origine bactérienne, la légionella, hein, qui entraîne évidemment une infection pulmonaire aiguë. Alors, elle revient, pourquoi ? Bah, à cause des jacuzzis, hein, tous ces systèmes d'alimentation d'eau moderne, de chaude sanitaire. Je vous regarde, je ne sais pas pourquoi je vous imagine dans un jacuzzi. Je me suis dit, Laurent, attention. Avec un air, je me sens coupable d'un seul coup. Il faut vous arrêter l'avez installé le finalement ou pas, votre jacuzzi ? Non, vous l'avez enlevé sur le balcon. Mais l'eau est propre, moi. Légionellose. Oui, et puis les tours d'aération aussi, de ventilation avec les climatisations, effectivement. La légionellose plus que dans le jacuzzi. Arrêtez de me regarder comme ça, s'il vous plaît. C'était bien orthographié du côté de Gemini, avec le bon nombre de N et de L. Les 10 points supplémentaires. Troisième duel. Il est à 10 points aussi, ce troisième duel. Duel de chiffres. Oui. Sprint. Précisément. Avec ce compte qu'il va falloir dénicher 5, 75, 2, 4, 3 et 8 pour faire 962. Oui, Gemini. Alors, 8 plus 5, 13. Mm-hmm. 4 moins 3, 1. 75 moins 1, 74 fois 13. Oui. Oui. C'est ça. Oui, oui. C'est... On était limite. Ouais, pas plus lentement, quoi. Oui. Donc, oui. Voilà, un tout petit peu plus fluide, même, ouais. ça aurait été mieux, mais ça passe, hein. Le 962 a été donné par Gemini. Bravo. 10 points de plus. 87 à 38. Il faut tout donner sur le quatrième duel. Alors, rien à faire. Ouais, non, mais alors, c'est pas, y a 20 points à marquer. Ça ne va pas changer la situation. Mais il y a un cadeau avec le quatrième duel. Regardez Nathalie et Jimmy. Le Robert vous offre son célèbre dictionnaire, Le Petit Robert. Et une collection de livres sur les mots et expressions de notre belle langue. Un quatrième duel à 20 points, c'est un thème que nous vous proposons aujourd'hui, ou plutôt Blandine, qu'est-ce qu'il le propose ? C'est Daniel Laffey de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc on cherche un voilier ou un marin. I-N-A-P-R-O-C-H-E-R. Non ? Ah ! Réponse. Le capornier, qui effectivement est à la fois ce grand voilier, long courrier, hein, qui servait à doubler le Cap Horn, hein, un célèbre cap dans la partie chilienne de l'archipel de la Terre de Feu. On voit un capornier, donc le bateau, c'est aussi le nom du marin. Alors on sait que c'est pour les skippers et tous les navigateurs l'un des caps les plus difficiles, hein, à traverser. Le plus difficile, oui. Sûrement. Ouais. Et il a été franchi pour la première fois en 1616 par Jacob Lemaire et William Schouten. Et comme ils avaient été financés par la ville hollandaise de Hoorn, ça a donné son nom
Cap Horn. Alors évidemment, il a la particularité de se situer à la latitude 56 degrés sud. Et donc, il se situe entre les 50e hurlant et les 60e strident. J'aimerais pas y aller, hein. Non, c'est, alors c'est une expérience j'imagine, à vivre, inoubliable. Hein. Franchir le Cap Horn, hein, Cap Hornier. On est là tout au sud, la pointe sud-américaine. Hein, tout voilà. À fait. Et l'autre cap sud-Afrique, c'est le cap de Bonne-Espérance. Voilà. Pour les deux principaux caps. Cap Hornier, c'était la réponse sur ce thème. Merci à Daniel de nous l'avoir proposé. Envoyez, n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer vos duels et communiquer aussi vos coordonnées téléphoniques. Et vous nous dites si vous souhaitez enregistrer en vidéo l'énoncé de ces duels. On les attend, bien sûr. Dernier duel et le score final, le voici, avec 38 du côté de Nathalie et Gemini qui est à 87 et qui remporte une troisième victoire. Bravo Gemini. Bon, voilà, il y a eu deux, trois ratés, ceci expliquant cela. Contente d'être repassée par chez nous tout de même ? Oui, moins bon score que la dernière fois, mais c'est pas grave. J'ai le plaisir de jouer intact. Voilà, dans l'esprit Pierre de Coubertin. C'est bien. Cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Gagnez un bon d'achat Pearl d'une valeur de 150 euros à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Bon retour dans le Morbihan. Et si on passe par chez vous, par Lisieux, on passe vous faire un petit coucou. Oui, il y a du musée en plus chez vous. Dans ce petit village. Trois musées, mais dont un plus connu que d'autres, musée du poète ferrailleur. Poète ferrailleur. Ouais. D'accord, c'est à Lisieux, c'est ça, département du Morbihan. Merci beaucoup Nathalie d'être passée par chez nous. Gemini, à venir, bien entendu, eh bien, les mots de la fin. Vous allez tenter de compléter, d'étoffer un petit peu votre cagnotte. On va voir comment ça va se passer dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, des millions de gens, comme vous, font confiance à Le Chat pour prendre soin des peaux sensibles et venir à bout des taches tenaces. Essayez aujourd'hui Le Chat Disque Sensitive, formulé sans colorant ni conservateur pour une propreté impeccable tout en respectant les peaux les plus sensibles. Le Chat, prenons soin de l'essentiel. Toujours tenir hors de portée des enfants. Constipation occasionnelle, Dulcolax, le comprimé à gérer la nuit pour un soulagement dès le lendemain matin. Ou le suppositoire pour un soulagement en moins de 30 minutes. Le soir Dulcolax, le matin relax. Médicament réservé à l'adulte. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts et jusqu'à moins 30% sur aramisauto.com. J'ai longtemps refusé de porter des aides auditives parce que j'avais trop peur qu'on les voie. Je pensais que c'était un truc très très gros. Et puis je suis allée chez Audica et là... Et là, il y a un spécialiste qui a trouvé la solution. Non, vous voyez pas ? Ben voilà. J'y retourne. Bien entendre, ça change la vie. Audica invente Audica Full Mini, le nec plus ultra de l'intelligence artificielle pour un confort d'audition exceptionnel et une discrétion absolue. Venez les essayer gratuitement dans un centre Audica. Dispositif médical. Ça pousse comment une tomate en hiver ? Ben, on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Chez Biocoop, les saisons ont toujours raison. Dans nos magasins, tous les fruits et légumes sont 100% bio et 100% de saison. Biocoop, du bon sens et rien d'autre. Moi, la jonquille, je la porte pour faire reculer le cancer. Moi, c'est pour apporter de l'espoir. C'est pour mobiliser le plus de monde. Moi, c'est pour soutenir la recherche. Moi, c'est pour accélérer la guérison. Moi, c'est parce que je crois que la vie est plus forte. Ensemble, portons l'espoir avec l'Institut Curie. Du 14 au 26 mars, mobilisez-vous. Faites un don sur unejonquillecontrelecancer.fr. Savez-vous comment Ayer améliore votre quotidien ? En proposant le mode de cuisson idéal pour chaque recette. Votre four connecté Ayer s'adapte à un style de vie exceptionnel. Le vôtre. Ayer. Connecté à l'extraordinaire. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme J'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre,
Et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. Comgem.fr. C'est important, .fr. Découvrez la Chambre des Merveilles au cinéma. Pour sauver son fils, elle va réaliser ses plus grands rêves. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là-dedans, il va se réveiller ? Alexandra Lamy va vous bouleverser dans cette histoire incroyable, adaptée du phénomène littéraire. Vous croyez que je me bats pour rien ? Non ? C'est pas fini ? La Chambre des Merveilles, au cinéma le 15 mars. Ça fait mal. Gencive irritée, léger saignement. Eludril Pro, avec ses deux actifs, est un bain de bouche à l'action antiseptique ciblée et légèrement antalgique. Eludril Pro soigne et soulage les petits maux de bouche. Eludril Pro, et ça va mieux. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Parce qu'elle est peu salée, la Salvetat peut se consommer toute la journée. Pour boire la vie sans modération. La Salvetat, elle a mis le sud en bouteille, pas le sel. Vous pouvez aussi boire sans modération la gamme La Salvetat aux délicieux arômes naturels. Une santé éclatante qui le fait bondir de joie. Avec Hills, préparez la gamelle qui fait son bonheur et donnez à votre meilleur ami les meilleurs nutriments pour sa meilleure vie. Et tout ça grâce à la science. Hills, une nutrition qui transforme des vies. Disponible en clinique vétérinaire, animalerie et en ligne. Alors, deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Gemini, la bonne nouvelle, c'est que vous venez de remporter une troisième victoire, ça vous le saviez. La nouvelle moins bonne, c'est que vous n'avez pas le sésame. Mm-hmm. Vous allez donc impérativement jouer sur la liste à thème. D'accord. La liste à thème, aujourd'hui, ce sont les rongeurs. Satisfait de jouer sur cette liste à thème ? Alors, je suis d'accord. Non. Cachez votre joie, là, Gemini. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais bon, on va essayer. Bon. Ça rapporte 50 points par... c'est pas une tasse de thé, hein, c'est un peu plus quand même. Hein. 50 euros par mot que vous allez découvrir. Donc, maximum 400 euros à prendre sur cette manche. Vous êtes prêts ? Chronomètre à 2 minutes, allons-y. S'il vous plaît, pour Gemini. Et voici le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Martre. Non. Non. 8 lettres. Marmotte. Marmotte, oui. 50 euros. 9 lettres. Écureuil. Oui. 100 euros. 1,30. 10 lettres. Chinchilla. 150 euros. 7 lettres. Passe. 8 lettres. Ragondin. Ragondin. 200 euros. 1 minute, 9 lettres. Hérisson. Hérisson, bonne réponse. 250 euros, 10 lettres. Campagnol. Campagnol, oui, effectivement, 300 euros. 7 lettres. 30 secondes. Passe. Mm-hmm. 7 lettres. 5 secondes. Non. Non. Ce sont les 2-7 lettres qui manquaient. On ajoute les 300 euros, donc un total, un montant total de 1000 euros pour vous. Eh oui, le hamster, c'est peut-être le plus facile à trouver. Et le lemming, qui est une variété de campagnol, qui est aussi une sorte de campagnol. Ouais. Lemming, oui, c'était le moins connu de la liste. Pas très bien mélangé, hein, le campagnol. Hein. Il était pratiquement écrit. Bon, voilà, c'était cadeau pour nous. On tombe sur nos pattes, hein, de toute façon. Alors, mais vous êtes en grande forme. voilà, bravo pour vous craigniez cette liste.
ce thème, cette liste à thème avec les rongeurs, bah, finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Bravo pour cette nouvelle victoire. Le quatrième match à venir. Il faudra maintenant tenter, c'est un objectif, hein, le sésame. Le sésame pour jouer sur des thèmes classiques et puis grossir un petit peu le montant de vos gains. Merci en tout cas, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour jouer tous ensemble sur France 3. À bientôt.